Et j'aime bien avoir mes deux motos en même temps comme ça. Hop. Salut. Il est mignon lui. Bienvenue à bord du Ninja H2, le plus silencieux que le monde connaisse. Non, en vrai ça va, à bas régime il est pas trop aberrant. Bon, par contre c'est vrai que si je passe les 8000 tours minute, il se passe peut-être quelque chose dans les tympans de tous ceux qui sont autour de moi. Alors, je sais même pas où je dois aller, ça commence déjà vachement bien cette vidéo. Ça a déjà pas commencé que c'est déjà le bordel gros. Alors, je veux pas aller là. Je veux... Ouais, je sais pas. Ouais, si, là, par là. Oh, j'en sais rien gros. Je prends des routes au hasard, je sais pas ce que je fais, je sais pas où je suis. Mais en tout cas, on est en H2 et ça c'est déjà pas mal. Hop là. Bon bah vous aurez remarqué, quelques changements. J'ai troqué mes rétros pour des ailerons carbone. C'est la famille. Bon en vrai j'ai le seum de plus avoir de rétro. Mais j'y viendrai un peu après. J'ai enfin réalisé mon rêve, enfin mon rêve, mon objectif, qui était d'avoir toute la panoplie complète du... On va aller à droite, frérot. Ça va, baisse ta mère, toi. Allez, ils sont gentils, laisse passer. Putain, à peine ça commence cette vidéo, c'est déjà le chaos. Donc ouais, ça faisait longtemps que je voulais avoir la panoplie complète du H2R. Donc avoir les petits ailerons carbone qui vont bien et tout. Mais bon, ça avait son prix, donc c'était pas l'objectif du moment. J'avais de l'argent à mettre ailleurs. Mais maintenant, c'est chose faite. Donc j'ai les super ailerons, qui sont les ailerons de la H2R phase 2, parce qu'il y a deux phases. Donc ça, c'est des ailerons qui sont un peu plus pointus, qui descendent un peu vers l'avant, qui sont beaucoup plus agressifs, que je trouve... genre vraiment hyper beau, hyper affûté, enfin franchement j'aime beaucoup. On a les ailerons inférieurs qui sont du coup plus bas, mais j'allais dire tout est dans le titre, hein, ailerons inférieurs. Alors c'est chaud de les montrer en caméra embarquée, parce que hop, voilà c'est là. Et j'ai mis également les écopes de frein. Alors ça c'est clairement purement esthétique, hein. Les écopes de frein à la base c'est pour qu'il y ait une captation d'air et que ça refroidisse tes disques de frein. Bon, c'est dans une utilisation qui est vraiment piste. Moi j'ai envie de te dire que bon déjà je fais pas de piste avec le H2, enfin très peu et de façon hyper occasionnelle. Et pour le coup j'ai pas appris ça pour la perf, hein, on va pas se mentir, je suis pas un pistard, je suis pas un pilote. Mais côté look je trouvais ça vraiment énervé. Donc voilà, c'était mon petit dream un peu sur le H2, je voulais réaliser. Le problème de faire ça, c'est que même si tu gagnes 20 points de charisme, tu perds 170 points de praticité. C'est-à-dire que du coup, vu que les clignots les rétros sont à la place des ailerons, bah forcément là j'ai plus clignot ni aileron. Ni rétro, pardon. Sauf qu'on a réussi à bricoler là ici des clignotants qu'on a repassé dans le trou derrière. Donc un gros merci à Alex, le chef d'atelier de Kawasaki Lyon d'Ardilly, un gars qui bosse, mais c'est une folie furieuse comment le mec bosse bien. Il m'a mis des petits caches et tout pour masquer les crous et tout, enfin incroyable, le boulot est trop bien. En plus on a mis des rétroséquentiels, j'aime trop ça, je suis un Johnny mais j'aime trop les rétroséquentiels. C'était les rétros, putain j'ai dit les clignots séquentiels. C'est les clignots, tu sais, qui font progressif là. Comme t'as à la base on avait beaucoup sur les Audi, bon maintenant t'en as un peu partout mais. Donc Johnny Kiki Lumière là, je suis content, j'aime bien.
Donc ouais, le seul truc que du coup j'ai pas encore résolu, c'est la partie rétro. Pour le coup, je suis pas le genre de mec qui aime bien avoir des tout petits rétros tout fins machin, ou qui aime bien les enlever. Moi j'aime bien avoir des grands rétros bien visibles. C'est un truc que j'aimais beaucoup sur ma moto, et c'est vrai que ça me fait chier de pas les avoir, sans même parler de contrôle technique ni rien. C'est vraiment un goût personnel, moi j'aime bien avoir des grands rétros. Donc à la base, je voulais mettre un écran en fait au niveau du, là, du poste de pilotage, avec une caméra au cul, pour en fait avoir un rétro digital numérique quoi. Bon, alors, je pense qu'au contrôle technique ça passera pas, mais à la rigueur, au-delà de ça, c'est que j'ai pas vraiment trouvé de solution fiable. Il y avait un crowdfunding, je crois, pour une solution de genre Android CarPlay pour moto et tout, mais je sais pas, ça a pas l'air super bien fiable. Enfin, j'ai pas trouvé de lien pour l'acheter. Donc pour l'instant, j'ai encore rien mis, mais là, faut que je m'y attelle. C'est le prochain truc que je veux faire dessus, c'est avoir cette. Je veux trouver un moyen fiable de voir derrière moi. Parce que dès que je vais m'insérer sur l'autoroute, je suis obligé de tourner la tête comme un golemon à. J'allais dire à 180. Non, 130. Puis même en ville, enfin voilà, c'est quand même un peu infernal de pas pouvoir voir derrière toi quoi. Je suis toujours en train de me retourner là, comme ça, comme un golemon, ça pète la tête. Ou alors sinon, tu vois, je m'étais dit un petit système de miroir à coller en dessous, mais j'ai peur que ce soit vraiment trop laid. Parce que là, l'intérêt, comment sont positionnés les clignotants, c'est que quand tu regardes la moto, tu ne les vois pas. Tu les vois pas quand tu la regardes debout, tu vois, de face la moto. Par contre, quand tu es suffisamment bas en voiture, par exemple, une voiture, bah forcément, elle va avoir mes clignotants. T'es. Ce serait con de mettre des clignots et que on les voit pas quand tu roules, tu vois. Mais quand tu regardes la moto de face, que tu es debout devant, tu les vois pas. Et j'ai pas envie en fait de voir un gros miroir qui dépasse de l'aileron, ça ferait con. J'avoue que des embouts de guidon, ça me plaît pas trop des masses non plus, je trouverais ça particulièrement laid. Donc bon, faut que je trouve un compromis. S'il y en a qui ont des idées à me filer dans les commentaires, franchement les revetons, je prends avec plaisir. Le petit radar, vous avez senti, j'ai failli m'enjailler. Et au dernier moment, je dis, oh putain, c'est vrai, il y a le radar ici. Ah, lui, c'est vraiment un radar, lui, c'est une cache machine, parce qu'il y a une ligne droite, il y a zéro intersection, frère. Lui, c'est juste pour te fissurer le portefeuille. Chanter un peu. Tout ça pour dire, en tout cas, ça me fait bien plaisir de faire ces quelques tours de roue avec vous, de vous montrer un petit peu ce que ma moto elle est devenue entre temps, pendant que j'étais occupé à faire autre chose que des vidéos. Je promets pas un retour en force, parce que je ne l'ai que trop promis, mais si vous voulez voir mes autres réseaux, je publie vraiment beaucoup de choses. Alors c'est beaucoup de contenu qui a déjà été publié à l'ancienne sur YouTube, mais je pense que ça vous fera un petit effet flashback pour tous ceux qui me suivaient à l'ancienne, et puis bah pour tous ceux qui sont nouveaux, je pense que ça va vous mettre bien, parce que en quoi, de 2017 à 2024, putain, ça fait maintenant 7 ans de YouTube, allez on va dire 5 en enlevant les moments où j'ai arrêté, des dingueries. Il y a eu le temps d'en arriver. N'hésitez pas à me proposer les prochains trucs que vous aimeriez voir changer sur la moto. Moi, je pense que ça va partir comme sur la selle. J'en ai trop marre d'avoir une planche de bois à la place d'une selle. J'ai le fiac à chaque fois, on dirait une planche, frère. Quand je descends, j'en peux plus. Et j'aimerais bien peut-être changer, tu vois, les éléments là, comme ça, les passer de plastique à carbone aussi. Je pense que ça me ferait bien plaisir. Mais voilà, si vous avez des recos, franchement, je prends avec plaisir. Ah, et le dernier truc un peu relou quand même, c'est que du coup je peux plus replier mes rétros pour faire de l'interfile. Donc ça franchement ça pue du qu'un peu.
Là, je peux te dire que si jamais ça touche avec le carbone, ping, ça pète. Ça pète direct. Putain, ils sont tous sympas aujourd'hui. Ça l'a rendu nettement moins pratique du coup d'avoir posé ça, mais bon, vas-y, Balek, quel style. Quel style, mes amis. Ouais, sur ce, des bisous. J'espère que vous avez mis la clochette fort fort. Parce qu'il va y avoir du contenu qui déboule. Des bisous. Je sais pas où je vais gros, mais en tout cas j'y vais putain.